Hey tout le monde, c'est Shabazz, on se retrouve pour un tout nouveau jeu qu'on n'a jamais fait. Midnight Ghost Hunt. Règles du jeu. Un jeu de cache-cache multijoueur avec des fantômes. D'impitoyables esprits tapis dans l'ombre attendent que l'aurore vienne au sein de multiples lieux hantés. Armés jusqu'aux dents, les chasseurs de fantômes en charge de leur élimination disposent d'équipements anti-spectre, conçus pour les envoyer dans l'au-delà. Incarner un fantôme ou un chasseur dans une lutte chaotique en 4v4 entre les vivants et les morts. Mais la partie ne s'arrête pas là, car lorsque minuit sonne, l'heure de la revanche a sonné, et les chasseurs deviennent les chassés. Les rôles s'inversent et la puissance décuplée des fantômes ne laisse aux chasseurs qu'un court laps de temps pour survivre à leur terrible vengeance. Là, du coup, on va commencer une petite partie et on va voir si je suis un fantôme ou un chercheur. Ok. Du coup, là, ça veut dire que je suis un chercheur. En vrai, c'est stylé, en vrai, j'aime bien. On est dans une petite caravane. Là, on est 4. Bon, ouais, non, on est toujours 4, je crois. Mais putain, je trouve ça pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est stylé. Là, 10, 9, 8, 7, 16, 6. J'ai oublié. Et quoi, entre 7 et le 6, entre 7 et le 5. Ah, donc c'est comme ça. Là, je vous ai peut-être coupé tout ce qu'il y avait, mais business avance business. On m'a appelé là. Alors, on va tester. Jamais fait mode chercheur, donc on teste tout. Voilà, déjà. Nous reverrons. Un jour ou l'autre. Salut mon. Il est passé où? Il est passé où? Est-ce que j'ai pas l'infini moi? Je peux faire ça. Wouhou. Mais attends. Il est passé où le truc? Je suis Harry Potter? Je suis Harry. J'ai pas de baguette. Mec, je suis Harry Potter. Arrête la drogue. Je suis Harry. Yeah. Ok. Ah, mais... Attends, c'est... changer d'arme. Laisse-moi changer d'arme. Comment on fait pour changer d'arme? Non, oups, c'est pas ça, non. C'est pas ça non plus. Pas grave, je changerai pas d'arme. Ah bah si, c'est bon. Appelé Shabadas, le déménageur de l'extrême. Voilà, j'ai une technique. J'ai une technique. C'est de tout bouger. Cherchez le chercheur. Non, moi je me cherche pas là. Je vois bien que la cherche là. Non. Si ça bouge pas, c'est que c'en est un. Vous êtes où le chercheur? Ok, t'as de la chance, t'as bougé. Sinon, je t'aurais tiré dessus. Alors, je crois que quand je passe, c'est un peu le. C'est un peu le. Déjà, quand je marche, tout qui se décale. Je crois que quand je passe, c'est un peu le bordel, quoi. Donc. Non. Ok. Laisse aller. T'es où? Putain, j'ai tiré sur mon collègue. Il est là. Hop là. En fait, là, le truc, c'est que... Bah, là, c'est plutôt facile, on va dire. Mais à la fin... compliqué quoi. Ça veut pas bouger? Si ça bouge pas, je peux pas. Ok. C'est quoi ça? Je sais pas, vous mettez une flèche. Moi je tire. Alors il y a une technique que j'ai faite tout à l'heure. Il faudra que je vous la montre. C'est une technique très très drôle. Mais là je peux pas. Sur cette map, je peux pas la faire. Cette map. Oh. Ok. Bon, t'entends clairement quand je touche mais quand je appuie sur mon clavier.
Mais c'est pas grave, je vais essayer de changer tout ça plus tard. Comme ça, moi, ça sera bon. Du coup, excusez. Donc, excusez-moi. Oh non, non. Ok, à partir de. En quelques secondes, là, ce sera la guerre. Je vais me caler. Hop, je vais me caler là. Attends, faut que je me cale quelque part pour mourir. En fait, le truc le plus compliqué, c'est pas de les tuer, les chats, les monstres. Parce que, voilà. Ils sont par là, quoi. Mais le plus compliqué, c'est de survivre. Voilà. Vous voyez, le plus compliqué, c'est de survivre. Là, il y a un canapé qui bouge, tranquille. C'est le plus compliqué. Il y a un canapé, un carton. Franchement, ça c'est pas nickel, ça. Oh yes! Je suis un fantôme! Alors, sur cette map, je sais pas si je pourrais le faire en fait, en vrai. Juste que je trouve. Quoi? Ok. Alors, là je cherche une porte. Voilà ce que je cherche. Si cette map-là je trouve pas, je pense que je vais trouver une autre map. En vrai, je vais me caler bien, bien en haut. Hop, ça c'est moi. Ce qu'on fait, c'est qu'on se cale. Faut bien se caler sans le toucher. Comme ça, et là, personne sait que c'est moi. Là, franchement, je suis peut-être à peine reculé. Voilà. Et là, qui peut savoir que là, il y a un fantôme? Les espaces entre les deux canapés sont à peu près le même. C'est décalé en escalier pour que, comme ça, au moins, bah, les gens peuvent bien s'asseoir. Franchement, là, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas de porte. Pas pour ma technique. En plus, là, si je veux changer, je saute. Je me change en ce que je veux. Chercheurs sont arrivés. D'accord. Alors, le F. Peut-être pas tout le monde tout de suite en fait. Bah là non, mais quand il y aura les chercheurs, je vais vous montrer comment faire. Attends, c'est les chercheurs. C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Je sais pas. Ah, c'est le truc que j'attends. C'est que ils arrivent et je peux vous faire montrer un peu tout ce qu'on a. Une petite marge. Marquez déplacez-vous pour réduire la jauge. Je sais pas à quoi sert la jauge. Je vous promets, j'ai fait deux parties. La jauge, je sais même pas à quoi elle sert. Donc là, j'attends. Et après, je pense que je me transformerai en les trois là. Ou sinon, attendez, je vais faire un petit truc. Je vais prendre Ah si. Oh merde. En vrai, ce qui peut bien le faire, ça. Voilà. Donc, tout droit, on peut se transformer en objet qu'on veut. Ça rien à faire là, ça. Non, il a rien vu. Voilà. Alors, je suis vraiment nul parce que je suis mort. Mais comme on est fantôme, du coup, je vais vous montrer comment on peut faire. On peut aller les voir là-bas, on les trouve. Et quand on a la petite. Petite marge, quand il y a un mec en slip. Petite marge là, hop, on fait F et du coup ça les refroidit un petit peu. Alors après, un petit peu, voilà quoi. Coco. Donc là, hop là. En fait, du coup, je peux jeter mon objet. Non, non, on m'a eu. On m'a eu! Oh merde, j'avais un objet! J'ai
J'arrive pas à la voir. Mais tu vas mourir? Voilà, headshot. Ça c'est nickel. Hop, je prends ça maintenant. Ok, ça c'est bon. Je reprends un autre tour maintenant. Hop. Il est où l'autre? Fais pas le malin. Attends. Hop là. Ah. La technique. Attends, il est où? Il est... Vole pas, mais t'es bête. Waha. Ah bah, c'est bon. Wahou. Bon, j'arrive toujours pas à... Ah, ok, ils font tous des dames, moi je suis en chaise. En plein milieu, une petite chaise comme ça. Ça me fait rire. Ça, franchement, ça c'est bien. Dans personnaliser, vous pouvez aller et vous prendre tout... Attends, non mais, c'est vrai que je veux... Voilà, fantôme. C'est pas fantôme ça? Non. C'est chercheur. Vous pouvez prendre le chercheur que vous voulez. Après, bien sûr, ça coûte un coup, tu vois. Ça coûte un peu de sous. Annuler. Je peux voir c'est qui. Voilà, en gros, on peut juste trouver des personnes. Il y a un canard. Attends, vraiment. Pourquoi il y a des... D'accord, mais il y a des canards. La discrétion, je ne sais pas sur quelle marche vraiment. Mais après, voilà, c'est pas si grave. Description. Discrétion. Après, retour. Dans les fantômes maintenant. Fantôme bleu, fantôme pirate. En vrai, j'aime bien les fantômes. Oh, il fait flipper par contre. J'ai pas assez, je crois. Non, non, j'ai clairement pas assez. Ça, j'ai quand même beaucoup la dame blanche. Hein. Alors bien sûr, hein, je vais pas tous les acheter, quand même, faut pas abuser, hein. Avec les sous que j'ai, je n'en achète aucun. Ce que je pense que je vais faire plus tard, c'est que je vais acheter vraiment un beau monstre, un beau fantôme. Et là, c'est vraiment pour claquer les gens, quoi. Claquer. On va se calmer. Mais voilà.